je vais montrer le disque dur de 2 Tera sur Xbox One. Voilà, donc je montre comment il est, je vais juste le recevoir. Alors ça se branche sur le disque, sur la Xbox One, je veux dire, le disque dur. En principe, vous avez 3 ports USB. Voilà, je vous montrerai après comment ça se passe. D'abord, je vais montrer en leur montrant hop, le déballant. Et comme il est neuf, c'est pas évident de déballer. Voilà, hop, il n'y a rien d'autre, je pense. Non. Papier avec. On va les sortir quand même, si elle veut bien sortir. Voilà, les papiers qui sont avec, qui donnent. Voilà. Là, je vous montre le disque dur qu'il y a. Voilà, il est tout petit, vous voyez, il est vraiment tout petit. Voilà. Je pensais qu'il était un petit peu plus grand, mais c'est nickel. Il est vraiment petit. Le design est vraiment sympa. Mes couleurs. Là, le câble qui va avec. Voilà. Vous voyez, pas très long, on dirait. Ça va être un petit peu le bémol, mais si vous le mettez sur le côté de la console, comme là, derrière, comme je vais faire là, voilà. Maintenant, on va passer à la suite, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer encore le disque dur de Tera pour le brancher. Voilà, le branchement comme il est. Je vous montre. Alors, vous ne vous trompez pas, surtout, c'est hyper simple, ça se branche facilement. Il n'y a pas besoin de forcer. Et là, vous aurez un petit voyant vert qui va s'allumer une fois que ça va être branché. Hop, là, je vais vous montrer direct comment ça se passe. C'est pas évident avec une main. Hop. Là, regardez bien de le mettre dans le sens. Vous voyez. Hop. Parce que moi, je le branche devant. Je branche pas derrière. Voilà. Ça s'est mis. Et là, vous voyez qu'il est en marche. Voilà. Voilà. Hop. Là, je vous montre le branchement où je l'ai mis. Après, vous pouvez le mettre derrière si vous voulez de la console. Mais moi, je l'ai mis devant. C'est un petit peu plus pratique. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la suite sur la Xbox One. Comment ça se passe. Voilà, maintenant je vous montre sur l'interface de la Xbox One. Je vais vous montrer le disque dur. Alors pour faire le disque dur, il faut que vous allez sur paramètres. C'est tout paramétré. Et là vous allez sur stockage. Voilà, stockage, vous allez. Hop, c'est sur système. Vous allez sur système, je vous remontre. Système, stockage. Et là, une fois que vous êtes dans le stockage, vous voyez que j'ai deux disques durs. Celui-là de la console et celui-là à 2 Tera. Voilà. Petit disque dur que je vous ai montré vert. Alors là, il va falloir se préparer le disque dur. Il faudra mettre cliquer dedans. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais il faudra cliquer dedans et mettre jeu. Pensez à mettre ça autrement. Il ne prendra pas en compte, il vous mettra que les musiques ou les images. Alors, je vous conseille de le paramétrer en jeu. Voilà le nom, surtout de changer le formater et de mettre le nom jeu, comme ça vous perdrez pas. Hop, là je vais sortir et là je vais vous montrer avec un jeu que je vais faire. Hop, je vais prendre un jeu au hasard, par exemple je vais prendre celui-là, Tiff par exemple. Hop, je l'ouvre, gérer, et là je vais lui demander de faire soit une copie tout ou soit de tout faire, de tout déplacer dans le disque dur. Là, ce que je vais lui demander, c'est de tout déplacer. Voilà, déplacer. Voilà, en principe c'est pris en compte, c'est parti. Vous voyez le petit téléchargement en dessous, ça va être un petit peu long je pense, parce que le temps que ça charge sur le disque dur, bon, ça devrait prendre 5 minutes par là. C'est comme il est assez gros le jeu. Voilà, c'était pour vous montrer comment ça marchait tout. Alors pensez à le formater, à le mettre en jeu, changer le nom parce que ce sera externe. C'est remarqué, pensez à le mettre et pensez surtout à faire ça au moment où vous aurez des images et vidéos, le disque dur. Ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des problèmes avec ça, avec le disque dur si vous ne changez pas le nom et si vous ne le formatez pas surtout. Voilà, c'était pour vous le dire. Allez, j'espère que ça vous aura aidé. Par contre, j'avais oublié le prix de disque dur. Il fait 95 € mais en ce moment il est revenu à 120 ou 140 €. Je vous mettrai un lien pour aller sur Microsoft Store. Voilà, pour le trouver à 95 €. Je ne sais pas s'il est encore en promo, j'espère pour vous. Allez, je vous dis à plus. Ciao!